Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à... encore consacré à Rocco Prestia, Francis Rocco Prestia, fabuleux bassiste de funk du groupe Tower of Power. Donc on va se consacrer encore à son jeu, et notamment à sa main droite, également à sa main gauche. Donc c'est un jeu beaucoup en double croche, surtout dans les exemples qu'on va voir. On va voir deux exemples aujourd'hui. On va voir l'exemple du groupe de What is Hip, gros tube de Tower of Power, Nussbaum, et le groove de You've Got to Funkify. Tu te dois de funkiser ton comportement, a priori. Alors, premier groove, What is Hip, donc gros tapis de double croche. C'est un groove, ça va être de la précision, de l'endurance, beaucoup, et de la régularité. C'est, c'est mi-sept, hein, l'harmonie, on va pas chercher très loin. Donc c'est funky funky, et ça part sur une quatrième double, tout de suite. 1, 2, 3, adada, oh, sur le mi grave. 1, 2, 3, patata, et après c'est parti, c'est le soul train, until the end. Donc, pardon, we are. Et là, il s'amuse à mettre des petites blagues au milieu de ça. En fin de cycle de toutes les deux mesures, il va faire ça. 1, 2, 3, et deuxième double croche du 3. 1, 2, 3, et mi aigu. Mi aigu. Et quatrième double 4, le mi grave. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Non, alors c'est pas la quatrième double, c'est la troisième double 4, excusez-moi. 1, 2, 3, pan, 4, 2, 1. Oh oui. Et oui, puisque la dernière double étant le mi aigu, hein, le deuxième mi là. Donc. Bada, we are. Bye. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à compter en même temps. Ça, c'est pour. Hein, c'est déjà une petite indépendance. Ça vous force à prendre un peu de recul sur ce que vous jouez et de bien vous rendre compte de où tombent les notes. Bon, le travail, c'est déjà de placer les petits sauts de cordes aux bons endroits sans que ça pollue le débit de double. C'est ça qui n'est pas évident, en fait. C'est inséré dans le débit de double. Et il faut sauter la corde, revenir. Donc, à tempo, c'est encore plus chaud. Et comme on voyait dans l'autre tutoriel, vous pouvez lisser vos attaques en reposant un peu vos doigts de la main gauche qui ne travaille pas là, donc ceux-là. Vous voyez que si je lâche comme ça, ça donne des notes liées. Okay. Mais si j'appuie un peu mes doigts comme ça, je cherche le bon dosage et je vais chercher un effet de palm mute qui va en fait lisser un peu toutes mes attaques, comme un peu comme un compresseur en fait, au final. Voyez, et ça accentue en fait le... Ça fait ressortir chaque attaque en fait, puisque ça étouffe tout de suite le son derrière, donc ça fait tout, tout. Il faut le bon dosage. Voilà, donc ça va être surtout de l'endurance, de la précision, donc du muscle et des nerfs, quoi. C'est vraiment un jeu, et lui, en plus de ça, il attaquait généreusement, quoi. Comme on le voit dans une de ses vidéos, peut-être une des seules vidéos pédago qu'il fait, où il explique vraiment son système de jeu. Et on sent bien qu'il attaque, fort, il rentre fort dans la basse, quoi. Donc c'est un jeu qui est physique et assez fatigant sur la longueur, notamment ce morceau-là. Pas y aller à froid, quoi, ou en tout cas pas à ce tempo-là. Ok, et alors, sur le B,
Donc quand le chant rentre, le couplet, on va avoir un fills qui nécessite des gros sauts de cordes encore là. Donc le plus possible, essayer de que ça ne perturbe pas le débit de double, ce qui n'est pas évident parce qu'on change de corde, donc on change de tirant, on change de son, on change de sensation au niveau des doigts. Et ce qu'il faut, c'est garder un débit de double quand même constant. Pas évident ça, donc 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, donc vraiment pas simple. Donc on a les 4 premières doubles du 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc référez-vous bien à la partition. On a ces sauts de cordes là, donc il faut essayer de rester le plus propre possible. Hein. Pour couronner le tout, on est dans une zone avec beaucoup d'harmoniques par là, donc à chaque fois qu'on relève le doigt, ce qu'il faut pas que c'est qu'il y ait une harmonique qui continue de sonner. Donc chaque corde qu'on arrête de jouer, il faudra qu'elle s'arrête idéalement net pour laisser place à la corde suivante et le son suivant, et pas qu'on ait des harmoniques comme ça et qu'on joue, vous voyez, des notes comme ça. C'est vraiment pas évident, donc à bosser lentement en boucle. Ok, allez, voilà, c'était le groove de What Is Hip. Je vous conseille de l'écouter entièrement, ce morceau, et de le relever entièrement, puisqu'il y a encore plein d'autres choses. Ça, c'est vraiment un peu la base de ce morceau-là et la base de ce groove-là. Voilà. À très bientôt. Merci. Ben, on enchaîne tout de suite avec un autre groove. Ne partez pas. Ne partez pas. Allez, on enchaîne de suite avec le deuxième groove de ce tuto, le groove du morceau You Got to Funkify, monstrueux morceau de funk en ré, donc gros tapis de double encore, là c'est la grosse funk machine, main droite mise à rude épreuve, donc c'est autour de ré 7 encore, une petite modulation en fa, et voilà, donc c'est pas du tout tout le groove. Le groove de tout le morceau, mais ça montre bien la base de ce qu'il faut, savoir et de ce qu'il faut travailler pour arriver un peu à l'esprit Rocco Prestia, hein, qui est vraiment pas évident. Groove très chargé. Alors ça donne ça. 1, 2, 2, 2, A, et du 3, 1, 2, 3, et. Alors je ralentis là direct parce que. Donc on va faire ré, 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 do, ré. Voilà, et ça c'est en boucle hein, pendant. Moi je l'ai écourté pour pouvoir passer d'une partie à l'autre assez rapidement, mais c'est vraiment long. Vous pouvez programmer une batterie et aller tout droit pendant un bon moment pour vous familiariser avec ça. Donc ensuite modulation en fa. Modulation en sol, pardon, excusez-moi. Mmh.
Et on revient en ré. Donc on entend bien ré 7, hein, ce qui fait entendre principalement ré et do. Pareil pour le sol, hein, sol, fa, sol, ok. Avec le chromatisme à chaque fois qui revient à la fondamentale. Puis le pont en la, donc on a vraiment un esprit blues, hein, blues funk dedans. Donc le pont en la, il s'appuie sur sa quinte. Vous voyez ? Donc là c'est la 7, hein, et on l'entend bien avec les arpèges de la 7. Mi, la, mi, sol, mi. Et puis il fait sa tierce mineure, tierce majeure, mouvement blues, hein, de base. Donc on a bien une ghost note, hein, où il prend la sensible comme ça, le petit chromatisme en dessous du la et... La montée chromatique, mouvement classique, hein, blues, rhythm and blues. Le chromatisme de la tierce majeure, quarte, quarte augmentée, quinte. Hein. Hein, quatre double croque. I, I, A, A. Et le re, le la sur le et du 3 comme au début. Et on a fait la boucle et on peut repartir. Modulation. Voilà, donc beaucoup de sauts de cordes, beaucoup de double croche à la main droite. On n'hésite pas à étouffer un peu à la main gauche pour essayer de lisser ses attaques et d'avoir un effet plus régulier et de tapis vraiment régulier, parce que c'est un tapis, c'est droit, c'est plat. Donc on essaie d'avoir un bon son comme ça et c'est et voilà, c'est vraiment particulier à choper comme technique, mais c'est vraiment bon pour les muscles et l'endurance et tout ça. Voilà. Allez, merci, c'était le deuxième tuto, deuxième partie du tuto autour de Rocco Prestia. Je vous remercie. Merci Bassist Magazine et à très bientôt. Ouh.